Boum. Et salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Boutonnier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de How to Survive. Donc le quatrième épisode de la petite série. Oh. Oh. Ah bah direct, on commence fort. Je ramasse des plumes en la fois quand même. Donc c'est parti, on va commencer ce quatrième épisode. Il me faut quelque chose pour déglinguer. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors apparemment mon bonhomme est fatigué. Bah écoute, tu te reposeras plus tard, on n'a pas que ça à faire. Ah oui, c'est vrai, je me souviens ce qu'il fallait que je fasse. Il fallait que j'aille voir ce débile là, comment il s'appelle déjà? Andrew. Il fallait que j'aille voir Andrew pour lui demander un... Je sais plus ce que je devais lui demander. C'est pas un jerrycan ou quelque chose comme ça. Ah, c'est quand même bien plus efficace comme ça. C'est vrai que la dernière fois je tire un peu n'importe comment. Je regarde juste s'il y a 2-3 trucs à prendre. Bon, apparemment c'est pas vrai. J'essaie de gaspiller moins de munitions parce que c'est vrai que la dernière fois j'avais tiré un peu comme un bourrin, il faut l'avouer. Oh, il allait me foncer dessus alors que je lui pointais la lumière dessus. Ouais. Oh 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 oh. J'aurais peut-être pas dû y aller la nuit, j'aurais peut-être dû attendre... Je vais moyen du bon côté. Est-ce que j'ai soif? Bon bah tiens, on va en profiter. Je vérifie hein, s'ils ont pas genre des munitions, des conneries comme ça. Oula. Tiens, faut moins les malins maintenant que j'ai un flingue. Je suis revenu pour me venger. Ah non, on t'arrête pas encore. Damn it. Oh. On va manger ça. Ça permet de récupérer 2-3 fruits. Me sera-t-il vraiment utile?
Je n'en sais point. Ah, ça c'est cool. D'en bouffer quoi. Et t'es même cuisiné et tout mon gars. Ça t'aurait plu, mais genre trop bien quoi. Blesser un cerf fera couler son sang. Oh là là, et maintenant faut que j'aille chasser quoi. On va y aller en mode avec l'arc là. Suivez les traces de sang pour traquer l'animal. D'accord. Récupérer des plumes. Je peux faire après des flèches avec des plumes. Ça, c'est cool. C'est que je peux les combiner. Avec l'arc. Ok, d'accord. Ah. Ah. Oh. Bon. Ce reste des traces de sang. De... Si je commence à suivre les traces de sang, je suis mal barré. En plus, il va falloir que j'aille pioncer. Ouais, faut que je regarde s'il n'y a pas moyen de... Oh. Voilà. Ah, l'inventaire est plein. C'est vrai que c'est quand même une calamité cet inventaire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Tiens, je peux faire des flèches avec ça. Ah non, je vais pas l'équiper. Combiné. Je peux faire un bâton. Ok, on s'en fout. Hop, peau de bête. Ah, j'aimerais bien la prendre quand même. Ouais, je vais lui donner. Et après... Je vais récupérer la peau. Ah oui, mais il va me donner le... J'ai commencé à ça, du coup il m'a filé le démarreur et j'ai plus de... Plus de place pour prendre les machins. Bref, voilà, je me suis compris. On s'en fout de ça. Qu'est-ce que je pourrais bien larguer? C'est quoi? J'ai abandonné la peau de bête, tant pis. J'en trouverai bien plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller pioncer un petit coup là. Qu'est-ce que c'est au-dessus? Je vais la ramasser. Ah oui, mais je sais pas si j'aurai la place du coup. Si je devais déjà en avoir. Bâton, c'est pas grave. Bâton, je vais m'en passer. Ah, la boîte à outils, par contre, ça me ferait chier de la lâcher. Qu'est-ce que... Morceau de silex. Ça, je vais le balancer. Lâcher. Allez, du coup, je vais... Hop, boîte à outils. Je vais garder la boîte à outils, quand même.
j'ai cru voir autre chose. Ah oui, des flèches. Avec des plumes. J'imagine qu'elles font plus de dégâts. Tiens, c'est pas des plantes à récupérer ça. Tubilubilou. Ok, donc lui. La planque est juste en haut. Merde. Oh 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 oh. Où il est mon flingue? Là. Équipé. Toi mon gros, tu dégages. C'est juste tellement sanglant quand il explose. C'est assez stylé. Damn, tellement de swag le type. Nadi va à... Ok, Salvage. Je sais pas quelle langue, je sais même pas en quelle langue c'est. Si quelqu'un peut traduire. Alors maintenant. Un carton bien s'hydrater. Hasta la vista. D'où vous approchez de moi? Hey. Je sens que les munitions vont pas être un problème. Peut-être qu'après si, mais pour l'instant... C'est loin d'être ce qui me dérange. Parce que j'avais des amis qui me disaient « Ouais, tu gaspilles tes munitions comme un porc. » Bon là, vous voyez, je les utilise déjà mieux. Ça me fait chier de rater le cerf là. Non. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se casser vite fait d'ici. C'est vrai qu'ils font des bruits quand même assez terrifiants les gros lards là. Enfin, j'imagine que c'est un gros lard qui fait ce bruit. Où est-ce que je vais? Ok, d'accord. Faut que j'aille par là. Je dois avouer qu'il me terrifie pas mal. Aïe 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 aïe. Ah, j'ai oublié que j'ai pris un niveau. Et il y en a encore un. Oh! What the hell? Ah! Ah putain! Eh, si je me mets là, il peut pas me toucher? Ah si, il peut me toucher! Ah. Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah yes, il se fait mal quand il... Toi dégage toi, j'ai des trucs plus importants à faire. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre un virus peut faire ça. On n'est pas dans Resident Evil, bordel. En plus, il y a un petit gros, là. Allez, crève.
Oh la folie! Qu'est-ce que c'était que ce truc? Oh là là! Ah, il faut que j'aille en haut. T'en as chié dans ton froc? Et bah moi, c'est lui qui a chié dans son froc, bordel. Je l'ai déglingué. Eh les mecs, arrêtez de manger ce pauvre... pauvre homme ou ce qu'il en reste, enfin bref. Ouais, finalement au niveau munitions je m'en sors encore. Ce qui est bien c'est que lui le Rahman il se balade en son île mais lui arrive rien en fait, c'est ça qui est cool. Hop. Alors on va. On a flemme de le faire ça, je le ferai plus tard. Trouver plus de munitions sur un cadavre. Pour l'instant, ça va. Augmente le temps d'un objet sur un cadavre. Temps de viser. Ça peut être pas mal. La jauge fatigue. Ah oui, non, ça par contre, je vais prendre ça. Ouais. Parce que j'ai vu que la jauge de fatigue, elle descend très vite. Donc, voilà. Vous avez le démarreur. Parfait. Installons. Cassons-le d'ici. Au même chemin, pareil. Prêt ? Bah, écoute. Écoute. Sectionner la pièce de rechange, ok. Là. Let's go. Ah, bah, je pense que... Alors, ouais, c'est ça, on va là. Sonada Island, donc celle qui est voilà, juste en haut. Il ne répond pas, c'est magnifique. Du coup, je pense que je vais m'arrêter par là. Découvreur 2, waouh, success team, magnifique. N'hésitez pas. Et déjà allé là-bas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé, à mettre un j'aime si vous avez aimé l'épisode. Et avec une vie, bah tiens, je te le prends. Et à vous abonner pour voir la suite des vidéos, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas aussi, ah oui, vous pouvez aussi aller voir T'as mis sur combien ? Il faut aussi aller voir les liens qui sont dans la description concernant le Twitter, le Facebook et le Twitch TV. Donc on va essayer de faire des lives tous les vendredis, je tiens à préciser comme ça, tous les vendredis soirs vers, je sais pas, peut-être 21h, on verra comment on va s'organiser. On espère que vous viendrez nombreux tous les vendredis. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Je vais défoncer ces connards avant d'aller. Tiens. Oh, enfoiré.